1 Chronique au chapitre 7, fils d'Issacar, Tola, Pua, Jashub et Shimron. 4, fils de Tola, Uzi, Rephaja, Jériel, Jashmaï, Jibsam et Samuel, chefs des maisons de leur père, de Tola, vaillants hommes de leur génération. Leur nombre, du temps de David, était de 22 600. Fils d'Uzi, Jizraja, fils de Jizraja, Michaël, Abdias, Joël, Jishija, en tout 5 chefs. Ils avaient avec eux, selon leur génération, selon les maisons de leur père, 36 000 hommes de troupes armés pour la guerre, car ils avaient beaucoup de femmes et de fils. Leurs frères, d'après toutes les familles d'Issacar, hommes vaillants, formaient un total de 87 000 enregistrés dans les généalogies. Fils de Benjamin, Béla, Béker et Jédiaël. 3. Fils de Béla, Hetzbon, Uzi, Uziel, Jérimoth et Iri. 5 chefs des maisons de leur père, hommes vaillants et enregistrés dans les généalogies, au nombre de 22 034. Fils de Béker, Jemira, Joash, Eliezer, Eljoénaï, Imri, Omri, Jérémoth, Abija, Anatot et Amalet, tout cela fils de Béker, et enregistrés dans les généalogies selon leur génération, comme chefs des maisons de leur père, hommes vaillants au nombre de 20 200. Fils de Jédiaël, Bilhan, fils de Bilhan, Jehush, Benjamin, Ehud, Kenaana, Zétan, Tarsi et Ashishachar, tout cela fils de Jédiaël, chef de la maison de leur père, homme vaillant au nombre de 17 200 en état de porter les armes et d'aller à la guerre. Shupim et Hupim, fils d'Ir, Hushim, fils d'Asher, fils de Nephtali, Jadsiel, Guni, Jetser et Shalum, fils de Bila, fils de Manassé, Azriel, qu'enfanta sa concubine syrienne. Elle enfanta Makir, père de Galaad. Makir prit une femme de Hupim et de Shupim. Le nom de sa sœur était Maaka. Le nom du second fils était Tselophshad. Et Tselophshad eut des filles. Maaka, femme de Makir, enfanta un fils et l'appela du nom de Pérèche. Le nom de son frère était Shérèche. Et ses fils étaient Ulam et Rékem, fils d'Ulam Bedan. Ce sont là les fils de Galaad, fils de Makir, fils de Manassé. Sa sœur, Amoléket, enfanta Ishod, Abiézer et Makhla. Les fils de Shemida étaient Asjan, Sichem, Likshi et Aniam. Fils d'Éphraïm, Shouthelach, Béred son fils, Tachat son fils, Éléada son fils, Tachat son fils, Zabad son fils, Shouthelach son fils, Ézer et Éléade. Les hommes de Gath nés dans le pays les tuèrent parce qu'ils étaient descendus pour prendre leurs troupeaux. Éphraïm, leur père, fut longtemps dans le deuil et ses frères vinrent pour le consoler. Puis il alla vers sa femme et elle conçut et enfanta un fils. Il l'appela du nom de Béria parce que le malheur était dans sa maison. Et il eut pour fille Shéhéra, qui bâtit Beth-Horon la basse et Beth-Horon la haute. Et Uzen Shéhéra, Réphash son fils, et Réchef, Télash son fils, Tachan son fils, Léadan son fils, Amihud son fils, Elishama son fils, Noun son fils, Josué son fils. Ils avaient en propriété pour habitation Bethel et les villes de son ressort, à l'Orient, Naharan, à l'Occident, Guézer et les villes de son ressort, Sichem et les villes de son ressort, jusqu'à Gaza et aux villes de son ressort. Les fils de Manassé possédaient Beth-Shéan et les villes de son ressort, Taanach et les villes de son ressort, Megiddo et les villes de son ressort, Dor et les villes de son ressort. Ce fut dans ces villes qu'habitèrent les fils de Joseph, fils d'Israël, fils d'Azer, Jimna, Shiva, Shivi et Beriya, et Sérache leur sœur, fils de Beriya, Héber et Malkiel. Malkiel fut père de Birzavit, et Héber engendra Japhlet, Shomer et Otam, et Shua leur sœur,
fils de Shaphlet, Pasak, Bimal et Ashphat. Ce sont là les fils de Japhlet, fils de Shamer, Ashi, Roega, Uba et Aram, fils d'Elem, son frère, Tsophash, Jimna, Shelesh et Amal, fils de Tsophash, Suach, Arnefer, Shual, Beri, Jimra, Etzer, Od, Shama, Shilsha, Jitran et Behera, fils de Jeter, Jephuné, Pispa et Ara, fils d'Ulla, Arash, Aniel et Ridja. Tout cela était fils d'Azer, chef des maisons de leur père, homme d'élite et vaillant, chef des princes, enregistré au nombre de 26 000 hommes en état de porter les armes et d'aller à la guerre. Alléluia.